Stette était un village pauvre et perdu au bout du monde. Un village de faibles d'esprit, jeune et vieux, plein de rêves, de sagesse, des étranges croyances et de folie. Une nuit, quelqu'un aperçut la lune se reflétant dans un tonneau d'eau. Il scellèrent le tonneau pour empêcher la lune de s'échapper. Mais quand on ouvrit le tonneau au matin, la lune n'y était plus. Ça doit faire la 12e année que le groupe théâtre existe. On doit être à la 12-13e création. On avait envie, le groupe, de travailler avec un metteur en scène professionnel parce qu'on en avait besoin. On sentait qu'on stagnait et qu'on arrivait à un point où on ne pouvait plus évoluer. Donc on a fait appel à Tim Dalton, avec qui on avait pu travailler 2 ans avant à Polomignac, au château de Pesteil. Et donc on a tout le temps un petit peu travaillé avec lui et on a fait appel à lui pour Stettel. Tim travaille d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on cherche d'abord les personnages, donc trouver des gestes, essayer de les garder, de les faire évoluer et donc de trouver après globalement un personnage. Ensuite vient l'histoire, mais on commence d'abord par trouver soi-même ses propres gestes qui vont servir. Donc je me souviens d'une image qui était jolie, c'est qu'on se rappelle toujours de nos grands-pères ou nos grands-mères qui on les reconnaissait à des gestes qu'ils avaient et qu'ils faisaient tout au long de la journée. Et bien, nous, on essaye aussi de fonctionner comme ça, de trouver des gestes et de les retenir. Qui s'appelait Kaddish. Il y avait le mère Kaddish, le père Kaddish, le grand-mère Kaddish, le grand-père Kaddish. Il y avait le chien Kaddish, le chat Kaddish, et même le souris Kaddish. Et il y avait Hatzel. Hatzel imaginait qu'il était mort. Naturellement, sa famille fut terriblement inquiétée et fit tout ce qu'elle put pour convaincre Hatzel qu'il était vivant. Mais il refusait de les croire. Il disait, entre autres, « Pourquoi ne m'enterrez-vous pas? À cause de vous, je ne peux pas ainsi entrer au paradis. » Sa famille craignit qu'il ne mourût pour de bon. En désespoir de cause, Kaddish consulta un éminent spécialiste, célèbre pour sa science et sa sagesse. Il s'appelait le docteur Yurtz. Le médecin, après un coup d'œil sur Hatzel, s'écria, « Pourquoi gardez-vous un cadavre dans la maison? Pourquoi ne préparez-vous pas les obsèques ?» Tim, ben il est exigeant, bon, pas, à partir du moment où on s'investit dans quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Donc là-dessus, c'est pas en pointillé, c'est pas un coup je viens pas, donc là il faut y être. Ça vient assez rapidement parce qu'on est tous motivés, donc ça coule de source. Après, il est exigeant, oui, ça c'est sûr, mais ça on le demande aussi. On a beaucoup avancé, je pense, quoi. Ceux qui l'ont vu sentent bien qu'il y a un autre travail, quoi.
mon Seigneur. Pendant 8 jours, Axel demeure dans son ciel trompeur. De jour en jour, il devenait plus triste. Son père lui manquait. Il était aussi impatient de revoir sa mère. Il soupirait enfin après Axa. L'oisiveté ne lui plaisait plus autant qu'autrefois. À présent, il souhaitait avoir quelque chose à étudier. Il rêvait de voyage. Il avait envie de monter à cheval, aussi de parler avec ses amis. Même ses plats, qui avaient tellement apprécié le premier jour, avaient perdu de la saveur. Ah, je vois bien qu'il n'est pas aussi mauvais de vivre que je le croyais. La 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 bi bi bon, bi bi bon. La 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 bi.